un seul conseil. Bon, j'ai envie de donner deux conseils à un candidat. J'ai envie de lui dire d'être curieux. Être curieux de tout. La curiosité, c'est une force qui permet de grandir. Pas hésiter à diversifier ses recherches au sein du groupe Ortec. On peut arriver d'un master, on peut être ingénieur, on peut être technicien. Il y a énormément de profils recherchés dans énormément de métiers différents. Ok, vous avez un CV, des formations, etc. Mais le plus important, c'est le savoir-être. Si on a quelqu'un en face de nous qui a une énergie de venir découvrir. D'y aller avec énergie, motivation, simplicité. Ce sera le plus important. Soyez vous-même, soyez spontané, parlez de vous, parlez de qu'est-ce que vous allez faire. Restez vous-même. Viens comme tu es. Partagez les mêmes valeurs que le groupe Ortec. Et tu seras le bienvenu. Que vous serez les bienvenus chez nous. Le conseil que je pourrais donner à un candidat, c'est de ne pas avoir peur. De venir, de voir. Clairement, Ortec gère ses entretiens de cette manière-là. Pas se focaliser uniquement sur les technologies, sur la mission, sur le contenu du job. La personne qu'elle pourra avoir en face d'elle sera toujours à l'écoute. Pas hésiter à postuler, même si on n'a pas 100% des compétences. Ce que je peux vous conseiller, c'est de livrer votre personnalité telle qu'elle est. Et j'ai envie de lui dire aussi d'être détendu, dans la mesure du possible. C'est pas forcément facile à mettre en action. Et puis ça va bien se passer. C'est pas juste un job ou une mission, c'est vraiment appartenir au groupe avant tout.